Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série Let's Play PVP. Nouvelle série qui consiste à vous donner des conseils et des astuces sur les mini-jeux. Donc on fera un mini-jeu par épisode. Donc aujourd'hui c'est Quakecraft. Je ferai principalement sur Hypixel parce que c'est un serveur complet. Mais après, ça se peut que il y a des mini-jeux qui ne sont pas sur ce serveur. Donc je serai sur l'autre serveur. Et ne vous inquiétez pas, l'IP des serveurs sera dans la description. Donc aujourd'hui, on est sur Quakecraft, sur Hypixel. Donc je vais vous donner mes stratégies pour gagner. Donc, alors première stratégie, ça dépend de. Alors, j'aurais besoin de ces deux maps. Je vais aller sur celle-là. Donc, alors, je vais vous expliquer la stratégie du spawn kill. Donc, ça serait plutôt pour ceux qui débutent, qui ont du mal à gagner des coins. C'est une technique. Qui dépend du spawn des maps. Alors il faut regarder sur chaque map là où ça spawn le plus à plusieurs endroits. Donc ce n'est pas comme dans Call of où quand on a un joueur à proximité ça ne spawn pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc là j'y suis. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça dépend pas du tout s'il y a quelqu'un à côté, ça peut spawner autant bien. Après il y a des endroits sélectionnés, donc ça ne spawnera pas ici ou ici, ça spawnera ici. Donc alors on va justement attendre que les gens spawnent. Donc là ici quelqu'un va spawner. On a deux façons de faire. On peut soit se cacher ici. Donc là la personne va spawner. Alors il faudrait bien que les joueurs se connectent. Pour l'instant je vous explique. Les joueurs vont spawner. Ils ont un petit temps de résistance. Après ils vont tomber au sol. Ah ça vient. Et après quand ils sont tombés au sol, ils vont se mettre à marcher. Normalement alors qu'ils savent pas qu'on est derrière. Et donc là on pourra savoir qu'ils ont plus de résistance. Donc on pourra leur tirer dessus. Deuxième technique, ce serait donc là je dis par rapport à la map, ce serait d'être ici parce que là j'avais avant une idée là. Donc si quelqu'un vient là, je peux l'avoir. Si quelqu'un spawn là, je peux l'avoir. Sauf si là quelqu'un spawn, je pourrais pas l'avoir. Enfin spawn vient d'ici, je pourrais pas l'avoir. Donc plutôt aller ici pour avoir là, parce que là on voit un petit bout d'escalier. Et de toute façon pour que le joueur aïe, là il aura principalement faire ça parce que à moins que le joueur c'est pas, il marche comme ça parce qu'il a peur de se faire attaquer, parce que là je l'aurai pas dans mon champ de vision à moins que je me décale un peu comme ça. Ouais c'est faisable parce que je vois encore les pseudos là en bas. Ouais je ferai ça. Et donc là on va attendre que le joueur, on sneak, on voit que le joueur à spawner, il va marcher tranquillement et pour l'instant nous on va le regarder marcher tranquillement et on va après lui tirer dessus. Donc là j'y suis arrivé, on va mettre notre technique en œuvre. Alors là c'est un des endroits que je trouve que ça spawn le plus là. Donc voilà, donc on a vu que il y a un nom qui s'est affiché, donc on a. Et merde, je ne l'avais pas vu. On voit que. Ah. Donc là, c'était un peu chaud. Je crois pas que j'ai les deux. Non. Donc voilà, donc vous avez vu que là, suffit d'attendre qu'il marche.
Et je l'ai loupé, donc ce n'est pas grave. Il y en a d'autres qui arrivent. Et je me suis encore loupé. Donc après, au bout d'un moment, c'est sûr que si les joueurs comprennent qu'il y a du spawn kill, ça ne marchera plus. Donc il faut vraiment bien viser parce que si on les a pas du premier coup, ça ne marche pas, bien sûr. Là, je l'ai eu. Sinon, on pourrait faire ça. Donc, quand ils partent vers là, dans leur dos, on le décale. Ah, il y a eu un petit lag. Bon, c'est pas grave. Ah, ils s'enfuient. Chou de peu. La vue, donc, ça se pose vraiment. Pas mal. Donc là j'ai vraiment du mal à les tuer quand ils spawnent. Je ne sais pas pourquoi. Oh non, je suis loin. Yep. Cadeau. Et il a spawné devant moi. Donc vous avez vu que ça peut spawner vraiment de façon improbable. Improbable. Ah, je suis arrivé. Donc là, on va essayer de mieux les viser. Donc, oh là, ça spawn. Ah, il m'a vu. En plus, il y en a un autre qui avait spawné. Et on est tous les deux morts, youpi. Ah, je déteste spawner ici parce que quand je pense à moi qui fait le salaud. Et j'aurais voulu le tuer. Bon, ça va, troisième. Quand je pense à moi qui est en train de les spawn kill. Alors... Bon, alors là, je vais essayer, si j'ai la chance, de vous montrer une deuxième stratégie. La stratégie du campement. Du campement, pardon. Du campeur. Ah oui, donc je peux. Mais je vais être tout seul. Non, c'est bon. Donc alors, du campeur, on va dire. Alors, il faut, pour cela, il faut trouver un endroit au perché. Donc là, vous voyez bien qu'il y a plusieurs plateformes, enfin plusieurs niveaux. Là, il y a le niveau là. Il y a le niveau là. J'ai oublié ce niveau. Là, il y a le niveau là. Après, il y a le niveau ici, de cette plateforme. Il y a la plateforme là. Après, la plateforme là. Et la plateforme là. Donc tous ces niveaux, il faut pouvoir les inspecter pour les là je vois encore même un petit coin pour pouvoir mieux les attendez. Pardon. Donc pour mieux pouvoir les mieux les sniper entre guillemets. En place, si quelqu'un passe sur le pont, je peux l'avoir. Là-bas, je peux l'avoir. Là, je peux l'avoir. Là, je peux l'avoir. En plus, derrière, il y a un spawn. Donc, je peux même spawn kill. Donc, c'est un endroit. Un magnifique endroit. Pour jouer. Donc, en fait. Suffit. Hop, play. Tchou, il est chaud. Alors pour camper, il suffit de chercher un endroit. Oh non. En plus, j'étais au bon endroit. Il suffit de trouver un endroit où on est assez en hauteur pour pouvoir voir la map. Et merde. Tant pis. Hop. Ah, je voulais sauter. Donc, il faut pouvoir. Je n'arriverai pas à dire ce que je voulais. Waouh. Il faut pouvoir voir la map de façon
de façon bien pratique. Sans qu'il y ait des gens derrière vous. Parce que sinon là, ça devient un peu compliqué. Donc désolé si je parle pas beaucoup, je suis assez concentré. Donc là, j'ai pas le temps de refaire grand chose. Mais alors, je vous explique vite fait. Il suffit de voir la map en entier. Personne derrière soi. Et donc là, vous avez vu, j'ai vu plusieurs plateformes. J'ai surtout vu l'endroit, la fosse où les gens se battent au corps à corps. Et donc voilà. Après, comme avant, ça dépend des maps. Donc là, ça dépend pas des spawns, mais ça dépend plutôt. De la disposition de la map. Si la map est entièrement plate, ça ne sert à rien. À part si ça. Enfin, ça dépend s'il y a des petits coins. Ouais. Ça dépend. Bon, là, il n'y en a pas. De ce que je sache. Sur les pixels. Donc voilà. Alors là, c'est la map Digsite ou Digsite, je ne sais pas. Donc là, je vais vous montrer c'est une map. Alors c'est une stratégie un peu à la One Again, à la Nawak, pardon. Pour faire simple, c'est un peu. Il faut un peu se démerder parce que on ne peut pas camper parce que déjà derrière nous ça peut spawner. Là, on est vu de partout. Alors là, il y a une fosse donc on peut aller se battre plus près au corps à corps. Et merde, je suis tombé. On peut se battre au corps à corps. Voilà. Le gars s'est TP à moi. Donc voilà, donc c'est une map où on peut pas que on peut pas entièrement. Je vais l'avoir, oui. On peut pas entièrement camper ou entièrement spawn kill parce que pour spawn kill c'est un peu difficile parce que là tous les spawns sont assez ouverts. Donc là je ne peux pas me mettre à spawn. Merde, je peux pas me mettre à les spawn kill ici parce que ce serait un peu difficile parce que tout le monde me voit derrière et même en attendant les joueurs, je peux me faire tuer. Donc là, il faut vraiment se débrouiller avec ce qu'on a appris. Donc aller tout le temps changer de position, tout le temps courir. Dès qu'on voit un joueur, faut lui tirer dessus. Même si, enfin, vous avez envie de bouger, vous bougez. Pas besoin de camper pour. Parce que de toute façon, camper ou spawn kill, ça ne fonctionne pas. Mais là, vous avez vu. Oh. Donc là, alors bien sûr quand vous êtes en assaut, vous pouvez faire ça. Et mince. Vous pouvez toujours vous cacher derrière un petit muret pour respirer un peu. Parce que sinon c'est un peu chaud. Alors là, non. Oh. Je trouve un super endroit là. Un spawn kill. Fabuleux. Parce que normalement ça spawn ici. Normalement, je dis bien. Bon, pas autant qu'avant, mais et je suis sûr que quand je vais partir, ça va sonner derrière moi et ça va me tuer. Allez, on va partir par là. C'est bon, ça va sonner. Donc, ce qui est assez chiant, c'est qu'on peut pas. Ah merde. On peut pas s'arrêter de courir. Parce que quoi, n'importe où on est jamais en sécurité.
Et ouais, bon, là après c'est un peu con ce que je fais. Là, vous pouvez toujours vous faire des petits kiffs en faisant des mini trickshots, on va dire. J'aime particulièrement faire ça, sauter et faire un kill. Parce que après, j'adore voir le trait du feu d'artifice qui est au-dessus de moi, alors que je suis en dessous. Et il m'a eu. Alors, je voulais vous dire, quand vous êtes en haut, pour que ce soit campé ou je sais pas, quand vous voyez la fosse et que vous voyez plusieurs comme là, qui sont deux personnes qui sont assez près, n'hésitez pas à tirer dessus pour faire des doubles kills. Ça ne sert à rien, je crois que ça. Si, je crois que ça donne plus de coins ou plus de points, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous donne un peu de confiance en vous. Parce que on aime toujours bien voir qu'on est premier ou qu'on a fait un double kill. Donc voilà. Alors, c'était tout pour ce premier épisode de Let's PvP. Le prochain épisode que je vais faire, ce sera sur TNT Run. Je pense fortement. Ou Hunger Games. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Salut.